En fait, ça fait un bout de temps que j'écris, moi. Alors, en français, j'écrivais d'abord, j'écrivais des poèmes, surtout, et par-ci par-là, quoi, pour rigoler, et des chansons, j'écrivais surtout en anglais, jusqu'à il y a un an et demi, quoi, deux ans. Et à un moment, voilà, ces deux projets un peu littéraires, entre guillemets, se sont croisés, et je me suis mis à écrire des chansons en français, parce que je trouvais que c'était beaucoup plus cohérent par rapport à ma vision, moi, de mon approche de l'écriture de chansons. Et voilà, et parmi les premières chansons que j'ai écrites, il y a cette chanson « Quitter l'enfance », qui va être enregistrée là bientôt. Ce qui est intéressant, moi, je trouve, c'est qu'il y a vraiment des approches différentes dans l'écriture de chansons. Moi j'écoute beaucoup de songwriting américain, des mecs Bob Dylan, Leonard Cohen, pour citer les noms les plus connus, Townes Van Zandt, John Prine, etc. Et moi, je considère vraiment le travail d'écriture de chansons comme un vrai travail, entre guillemets, d'écrivain, artistique. D'ailleurs, les Américains ont le terme de songwriter qui existe, qui littéralement, en français, c'est écrivain de chansons. En français, on dit auteur, compositeur, interprète. C'est un peu plus vague. Et je trouve intéressant, moi, cette vision de que celui qui écrit des chansons, c'est un écrivain de chansons. Donc moi, j'ai essayé de me mettre un petit peu, de m'inscrire un petit peu dans cette démarche-là. Et cette chanson, en l'occurrence, la Quitter l'enfance dont on parle, je l'ai écrite d'abord un peu avec un processus d'écriture automatique où je laissais un petit peu un flot de mots sortir de moi. Ça commence d'ailleurs par dans les flots bleus de nos ivresses, dans les battements de rigon, etc. Et ensuite, à essayer de chercher une structure littéraire à l'intérieur, avec cette esthétique que j'avais à la base du départ, de quitter un monde pour en retrouver un autre, quitter l'enfance pour rentrer pleinement dans le monde un petit peu oppressant quelque part, mais des responsabilités et le vrai monde des adultes. Et voilà, c'est un peu l'histoire de cette chanson et l'histoire de mon passage à l'écriture en français, l'écriture de chansons en français. Dans les flots bleus de nos ivresses, dans les battements gris de ton cœur, il y a ces lacs de tendresse, il y a ces latentes douleurs. Si nos mal-être devaient faiblir, et si nous perdions la raison, aurait-on la force de vivre, d'embrasser enfin l'horizon? Dans l'idéal de nos paresses, dans tous les relents de nos peurs, il y a l'image de nos princesses, il y a ces livres salvateurs. Si nos frissons devaient grandir, si l'indigence nous rendait fiers, aurait-on la force d'écrire ce que nos larmes ont de mystère, ce que nos larmes ont de mystère. Et comme la vie est une chance, lorsque tu prends dans tes deux mains mon innocence, et si demain était ta fête, et si rien n'a plus d'importance, avec moi voudrais-tu, ma belle, dans l'océan de nos jeunesses, dans le silence et la candeur, il y a ces envies de caresses, il y a ces changeantes humeurs. Si nos tristesses devaient mûrir, si nous comprenions nos erreurs, aurait-on la force de fuir et de nous plonger dans ailleurs, de nous plonger dans un ailleurs. Proche du bonheur. Et si l'amour était à faire, et si le billet tu le danses, avec moi voudrais-tu, ma belle, quitter l'enfance?
soif, le savoir, il y a l'image et la faiblesse. Il y a ces sourires dérisoires, si nos passions devaient pâlir. Si l'ignorance nous rendait fiers, aurait-on la force d'écrire ce que nos larmes ont de mystère, ce que nos larmes ont de mystère. Et comme la vie est une chance, lorsque tu prends, quand t'es le vin, mon innocence. Et si demain tu t'as fait, si rien n'a plus d'importance, avec moi voudrais-tu, ma belle, quitter l'enfance. Allez, faut plonger dans cet ailleurs, on espère tous un peu plus clair, on espère tous un peu plus proche du bonheur. Et si l'amour est à faire, et si la vie est une danse, avec moi voudrais-tu, ma belle, enfants. Bravo, merci. Regarde-moi ça là.